Bonjour, nous allons, avec l'aide de Dieu, continuer le Chayim Oharan. Nous en sommes au chapitre 15, Hot Tet Vav. Alors, Rabbi Nathan nous décrit encore, nous parle toujours de cette fameuse Torah Tisha Tikkunim, la Torah 20 du Likut et Moran, comme on a vu plus précédemment. Achar Shema, la Torah Tisha Tikkunim Anal, Vesham et Daber Arbe Mimala Teat Israel, Shezeka Nitzchon Amilchama, Kshezochin Lavo Leat Israel Vechule. Alors, après que Rabbeinu a raconté la Torah Tisha Tikkunim, la Torah 20, dans laquelle Rabbeinu parle là-bas dans cette Torah, il parle beaucoup de l'importance des Eretz Israël, de la terre d'Israël. Et Rabbeinu nous raconte là-bas dans cette Torah que l'essentiel de la victoire de la guerre sur terre, c'est de parvenir à arriver en Eretz Israël. ובפרט בעת שאמר התורה בער הדבר יותר, כי אז התחיל בהתחלת התורה תקף לדבר מארץ ישראל. Plus particulièrement au moment où Rabbeinu a dévoilé cette Torah à l'oral, alors Rabbeinu a parlé beaucoup de ce fait-là d'arriver en Eretz Israël. Parce que quand Rabbeinu a commencé à raconter cette Torah, il a commencé d'abord par le sujet d'Eretz Israël. Et ensuite, plus tard, quand il a retransmis à l'écrit et qu'il a donné à ses élèves pour l'imprimer, etc., pour les copier, alors là, quand il a mis à l'écrit, il a inversé l'ordre de cette Torah. Il parlait d'abord de la Neshama. Dans la Torah, il parle d'une Neshama, la Neshama du Tzadik, l'âme du Tzadik qui endure beaucoup de souffrances dans ce monde. Et cette âme, tous les grands Tzadikim et les grands commentateurs de la Torah, ils reçoivent tous leur force de cette âme du Tzadik. Alors là-bas, il parle de ce sujet-là, et puis c'est par ce sujet qu'il a commencé la Torah quand il l'a retransmis à l'écrite. Mais quand il a dit à l'oral, il a commencé à parler d'abord du sujet d'Eretz Israël. V'amar bezo alashon, mi sherotze liot yehudi, da'inu lelech midarga ledarga yefshar kimele d'Eretz Israël. Il a dit dans ces termes-là que celui qui désirait être un véritable juif, c'est-à-dire un juif qui progresse de niveau en niveau, alors il est impossible d'arriver à ce stade sans arriver en Eretz Israël. Et lorsqu'on arrive à vaincre cette guerre, alors on est appelé un guerrier. Parce que avant de gagner la guerre, alors il est dit le pasouk qu'il ne faut pas que la personne qui est en train de ceindre sa ceinture pour aller à la guerre avec son épée, il ne faut pas qu'il soit excité et qu'il soit enthousiaste, comme la personne qui en revient, de la guerre et qui ouvre sa ceinture. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver en Israël, il n'a pas encore gagné la guerre, c'est comme si il commence à se préparer pour aller à la guerre, comme si il est en train de fermer sa ceinture avec son épée, pour aller à la guerre, tandis que quand il arrive déjà en Israël, alors il est comme celui qui revient de la guerre et qui ouvre sa ceinture, qui a fini de se battre. Donc lui, il peut vraiment s'en vanter. Rak keshem natrina milchama azuish milchama. Parce que c'est rien qu'une fois qu'on arrive à gagner la guerre qu'on est appelé un guerrier. Un guerrier qui ne s'est pas battu, qui n'a pas fait la guerre, il n'est pas appelé guerrier. Ensuite, Rabbeinu a commencé à parler de la Neshama, comme c'est marqué dans cette Torah là-bas, il a parlé du sujet de la Neshama. Alors, Rabbeinu s'en est beaucoup. Il était plein d'enthousiasme, et il a élevé sa voix, et il a commencé à raconter qu'il y a une Neshama qui passe beaucoup de souffrances dans ce monde, etc., comme c'est imprimé dans le Likut et Moran sur ce siman. Seulement quand Rabbeinu il a écrit la Torah à l'écrit, alors il a commencé d'abord par parler de la Neshama, mais quand il a transmis cette Torah à l'oral, alors il a commencé d'abord par Eretz Israël, comme on l'a dit plus haut. ואחר שגמר התורה, אחר כך בעת השיחה שאלתי אותו, מה כוונתכם במה שאמרתם שארץ ישראל היא גדולה כל כך ושזה עיקר ניצחון המלחמה? Alors, ensuite, une fois que Rabbi Nathan a fini de parler de cette Torah et qu'il en est venu à discuter avec Rabbi Nathan, alors Rabbi Nathan a demandé à Rabbeinu, quelle était votre intention quand vous avez dit dans la Torah que l'importance d'Israël est si grande et que c'est de là que dépend le,
l'essentiel de la guerre, de la victoire, de la guerre. Parce que Rabbi Nathan, il a vu que Rabbeinu parlait tellement de Eretz Israël comme si c'était quelque chose de qu'il n'y avait pas plus haut que ça. Donc ça lui paraissait bizarre que Rabbeinu puisse dire ça du fait de venir en Israël. Il a dit que sûrement il doit se cacher là quelque chose de plus profond que ça, que le mot Eretz Israël. Vegarbi, Veana. Et alors Rabbeinu l'a grondé et lui a dit Kavanati Eretz Israël Azot Bipshitut. Il a dit, j'avais l'intention de parler d'Eretz Israël tout simplement comme on l'entend, Eretz Israël avec ses maisons et ses appartements, ses rues, etc. Il a dit ça en yiddish. Il voulait dire que c'est pas plus profond que ça, bien sûr que c'est profond. Mais il voulait dire que l'intention de Rabbeinu, quand il disait que l'essentiel de la victoire de la guerre, c'est en venant en Eretz Israël, il voulait dire tout simplement de venir en Israël comme on l'entend. Klomar shekol kavanato bamesh erich bemalat Eretz Israël kavanato kipshuto al Eretz Israël azot shebni Israël nosim lesham. Il avait l'intention tout simplement de parler de Eretz Israël, cette même terre d'Israël que les Juifs ont l'habitude de voyager là-bas. Sheretzono shekol ish Israël kol mi sherotze leot ish Israël beemet isa l'Eretz Israël. Que sa volonté de Rabbeinu était que chaque Juif tout celui qui veut être un véritable juif, il faut qu'il aille là-bas en Eretz Israël. Ve'af al pi sheyesh lo meniot rabot al ze, yeshaber kol ha meniot ve'elech lesham, ki ze ikar nitzron ha'milchama kshezochin lavo l'Eretz Israël v'chule. Et malgré le fait que la personne aura sûrement beaucoup d'empêchements et de difficultés pour y accéder, malgré tout, le ikar, l'essentiel de la guerre, comme on a dit, de la victoire de la guerre, c'est d'y parvenir. Et il faudrait qu'il brise tous ses empêchements et qu'il se rende en Eretz Israël. Ça, c'était la volonté de Rabbeinu. Mais c'est Asher Eir Levavi Beyoter Vechizakoti Beyoter. C'est ça, Rabbi Nathan nous raconte, que c'est ça qui a réveillé son cœur au maximum et qui l'a renforcé beaucoup à se préparer à aller en Eretz Israël, à briser tous les empêchements qu'il a eu en chemin pour y arriver. Alors, Al Kol Aminyot Arabot Shayali Bli Shiur Lishbor Kulam Lavo L'Eretz Israël pour arriver en Eretz Israël. Et Baruch Hashem Itbarach Hashaya Be'ezri Leshaber Aminyot Bilbulim Ve'ikuvim Ka'ele Ve'Lavo L'Sham Be'Shalom Ve'Lachzor Be'Shalom. Alors Rabbi Nathan nous dit Baruch Hashem que Dieu l'a aidé à briser tous ses empêchements et ses souffrances qu'il a eu en chemin. Il dit de parvenir en Eretz Israël et de retourner en paix chez lui. Que Shetri La Torah Tisha Tikunin Anal Be'Rosh Hashana Ben Hashmashot Kedarko Tamid. דיינו סמוך לתחילת הלילה שייכה ליום שני לראש השנה וכבר חשך היום. Alors quand Rabbeinu a commencé à raconter cette Torah Tisha Tikunim, la Torah 20 du Likutei Moran, alors comme on l'avait dit plus haut, ça s'est passé pendant Rosh Hashanah. Alors plus précisément, ça s'est passé vers le soir du premier jour de Rosh Hashanah, juste avant la nuit du deuxième jour, vers le crépuscule. Et il commençait déjà à s'assombrir, le jour s'assombrissait. Et moi, Rabbi Nathan, j'étais assis très proche de lui, tout à côté. Alors Rabbi Nathan nous raconte qu'il a remarqué comment Rabbeinu prononçait les mots de cette Torah qui commence par un passage du Zohar. Il a vu comment Rabbeinu prononçait ces mots avec énormément de force, jusqu'à épuisement mental. Ou Behema vira au tête vezé à chérie et chalécher, avec une grande terreur et ferveur et crainte qu'on ne peut pas décrire. Mais ta face est scanokama permis Bekochot Gdolot, il a attrapé sa barbe à plusieurs reprises avec force, comme s'il allait l'arracher tellement qu'il s'efforçait énormément à prononcer les mots de la Torah. Veyev chalécher zot birta, ou kvar mevor bemakom acher, shamar shekodem shomotzim pi bateva rishona shel Torah, nidmelo shetetse nafsho. Rabbi Nathan nous dit que il s'est déjà mentionné plus loin comment Rabbeinu disait que dès qu'il prononçait le premier mot de la Torah qu'il voulait prononcer ou le premier mot du Kiddush, Tamid il avait l'impression que son âme allait le quitter tellement qu'il fallait qu'il mette beaucoup de force et qu'il s'efforce à faire ces choses-là. Parce que chaque chose que Rabbeinu voulait faire c'était tellement grand et beaucoup plus profond que ce que ça nous paraît simple de faire un kiddush, de dire un dvar Torah.
Mais Moshe Rabbeinu, chaque chose qu'il voulait faire, il avait beaucoup d'empêchements et beaucoup de. Il devait y mettre beaucoup de force pour pouvoir y parvenir. Et sur cette Torah-là, Rabbi Nathan raconte qu'il a vu ça de ses propres yeux, à quel point Rabbeinu a dû faire preuve de beaucoup de Messirat Nefesh, beaucoup d'abnégation, de manière à ce qu'on ne peut pas décrire. Shayach Leel, alors ça, c'est le passage que maintenant Rabbi Nathan nous parle de ce qu'on a vu plus haut. Du fait que Rabbeinu a dit qu'avant d'arriver en Israël, alors il a dit le pasouk du guerrier qui va à la guerre, qu'il ne faut pas qu'il s'en vante, celui qui ferme sa ceinture comme celui qui ouvre sa ceinture, qui revient de la guerre, qui a fini de se battre. Rabbeinu voulait dire par là que d'aller en Israël, c'est vraiment comme une sorte de guerre, parce qu'il faut briser beaucoup d'empêchement et avoir beaucoup de force et de se renforcer sur toutes les souffrances et les empêchements qui sont tout au cours du chemin vers Eretz Israël. Une fois, quand Rabbeinu, Zichrono Livracha, il racontait à ses disciples tous les grands empêchements et les grands dangers qu'il a dû passer quand il était à Istanbul, en Turquie, en chemin vers Eretz Israël, il passait par la Turquie. Et alors il a eu à chaque fois beaucoup de moments très difficiles, Rabbeinu, durant ce voyage, des moments de sakanat nefashot, où vraiment il y avait de la peste, il y avait plein de trucs très, très difficiles, très, très, très durs qu'il a dû passer pour y arriver. Alors quand il racontait ça, Azana ve'amar lanu shanachnu yecholim lavo l'Eretz Israël benakel, il nous a dit à ses disciples que nous on pourrait arriver en Eretz Israël plus facilement. Ke'omer shalenu lo yitgabru minyot kaleh ve'sakanat kaleh kmo shehayu alav, et que nous on n'aurait pas besoin de passer tous ces dangers et ces empêchements comme lui il a dû faire, parce que lui il avait vraiment eu des histoires de folie. Comment il est arrivé en Israël, il a dû endurer beaucoup de difficultés. Et si seulement on le désirait, on pourra parvenir à arriver en Eretz Israël plus facilement. Mais malgré tout, même si chez nous les difficultés ne seront pas si grandes, il faudrait quand même qu'on soit prêt à briser beaucoup d'empêchements et de souffrances avant d'arriver en Eretz Israël. Qui Eretz Israël yachat mishlosha dvarim shenitnu al yedei surim bekamuva gam sham bemamar hanal. Parce que Eretz Israël, ça fait partie des trois choses qu'on peut acquérir que par des souffrances. Comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, que Hachem, il a donné trois cadeaux au peuple juif, la Torah, le Olam Haba et Eretz Israël. Ces trois choses-là, ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés, mais qu'on peut les acquérir que par des souffrances. Ça se mérite qu'avec des souffrances. Alors il faut quand même être prêt à endurer tout ce qu'on doit endurer pour arriver en Eretz Israël. Mais ça sera toujours pas aussi compliqué que ce que ça l'a été pour Rabbeinu. ופעם אחת אמר רבנו זיכרונו לברכה, יש שנדמה להם שרוצים ונחשפים מאוד לבוא לארץ ישראל אם היו יכולים לנסוע לשם בהרחבה, אבל לא בצער ודוחק, ובאמת אין זה רצון שלם. Une fois רבנו a dit qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils veulent aller en Eretz Israël, mais à condition que tout soit avec largesse, sans difficulté, sans souffrance, sans problème. Ils veulent qu'il leur manque rien, et alors là, une fois qu'ils auront de la largesse, etc., alors ils sont prêts à aller en Eretz Israël. Mais Rabbeinu dit que ça ne s'appelle pas une véritable volonté. כי מי שרוצה לבוא באמת לארץ ישראל צריך ללך גם רגלי, וכמו שנאמר לאברהם לך לך וכולי לך דייקה. Parce que celui qui veut vraiment aller en Eretz Israël, il faut qu'il soit prêt à y aller même à pied. Comme il a été dit à Abraham Avinu, לך לך מארצך, Dieu lui a dit לך לך, il a employé un langage de marche, qu'il aille même à pied. ויהי מנתן ביציאתו לארץ ישראל. אחר שאמר רבנו זיכרונו לברכה מאמר תשעה תיקונים הנ"ל אמר בדרך צחות, une fois que Rabbeinu a fini de dire cette Torah 20 du Likutei Moran, alors il a dit en plaisantant, il a dit aujourd'hui j'ai parlé du feu et de l'eau.
parce que dans cette Torah-là, Rabbi nous parle de deux sujets. Il parle du sujet du feu et du sujet de l'eau. Parce que dans cette Torah, Rabbi nous parle des paroles qui sont dites avec ferveur et comme des braises ardentes. Et puis aussi, il parle aussi là-bas du sujet du pasouk qui est marqué dans Tehillim, qui parle du rocher que Moshe a ouvert pour y faire couler de l'eau. Alors donc il parle du feu et de l'eau. Mouvachem bimenatan anal. Alors voilà. Ça nous paraît simple, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce que Rabbein voulait dire du feu et de l'eau, etc. Nous on ne comprend pas, mais Rabbi Atan nous retransmet les faits comme ils ont été. La suite la prochaine fois, s'il vous plaît. Sorot Tovot, à bientôt.